Hello, aujourd'hui on n'est pas à Marseille mais nous sommes à Paris pour le plus grand salon des animaux de compagnie de France. On est au Paris Animal Expo. Du coup je vous ai filmé plein de petites scènes toute la journée pour vous montrer un peu le salon. Franchement c'était énorme, c'était vraiment génial. J'ai essayé de parler un peu dans les scènes parce que je trouve ça plus intéressant que quand on fait que des vidéos avec de la musique, mais je sais pas trop ce que ça va rendre, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est Zuna qui est un tiré du bas à la fin. Du coup, il y a les gerbilles, ça c'est Ils sont pas trop mignons. Ouais, c'est trop belle. C'est sur une tête vraiment allongée, avec des grands yeux. Ouais. Mais c'est des jolies oreilles, pépère. C'est beau. C'est pas du tout pareil que... Comme t'as dit, ouais. C'est bizarre. Ouais. Ici, on a les gerbilles avec les grasses, bon, on va pas là, du haut. Voilà, on s'en va. J'ai pas vraiment de conseils à te donner là-dessus, ouais. Parce que j'ai jamais eu le... Là on est sur le stand équilibré instinct et en fait c'est bio et donc je vais leur demander, mais normalement les produits qui sont bio du coup c'est à la viande qui va être utilisée pour ces produits, c'est de la viande d'animaux qui sont bien traités et donc ça c'est cool parce qu'on n'y pense pas souvent. On est sur le stand de Nido et regardez-moi, c'est harnais. Bon, c'est que pour chats et chiens, mais je pense genre
vous avez un gros lapin, ça marche. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way. En fait, il sent la boue. Ouais. Ah. Et ouais, il y a des trucs là-dedans. Coulant le sauce-temps de ma galerie, là il y a des coques, là-bas il y a des poules et là il y a plein de trucs à acheter. Coucou Chloé. Coucou Lola. Il y a plein de poules. Elles sont trop belles les petites batames grises. Il y en a une énorme, c'est quoi cette poule? Elles sont trop prendroises avec la houppette là sur la tête, ouais, je sais pas quoi. Je me rappelle plus, j'ai la race sur le bout des doigts. Hollandaise, je crois que ça s'appelle comme ça. Je trouve ça un peu moche. Non, c'est mignon. C'est drôle, mais je la trouve trop belle. Et puis bah, il y en a encore là. Là, c'est des pondeuses normales. C'est pas des races. Enfin, race pondeuse quoi. Elle est grosse. Regardez, ici on est au paradis des chats. Ça, il n'y a pas ça pour humains. Vraiment, on est rire. J'ai envie d'acheter un truc là. Du coup là on est au Paul Nac. Il y a des
rats sans poils. C'est quoi? Ah, c'est trop mignon. Et là, il y a un rat lui. Trop mignon. Ça y est, c'est la fin, il est 15h, on va rentrer parce qu'on a fait tout, même si c'est cool et tout. Enfin, moi je suis pas très chargée, c'est Lola, elle porte toutes mes affaires. Je lui ai demandé si elle voulait que je le porte, mais elle m'a dit que non. Non mais si ça, ça te fait plaisir Lola? Oui. C'est le bordel. Les verres. Les vidéos. Mais voilà, donc là nous avons un truc. Ciao les boys. Et voilà, notre journée au Paris Animal Expo, c'est déjà terminé. Franchement, c'était vraiment trop cool. On s'est vraiment amusé. On a pu repartir avec plein de choses. On a acheté plein de choses, enfin, surtout moi. On a pu rencontrer Tanguy Toupette et Passion Lapin. Enfin, Mélissa de Passion Lapin. Et c'était vraiment super cool. Et Daiko. Et Daiko, oui. Voilà, et voilà, c'était super cool. On a pu discuter avec eux. C'était hyper gentil. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est zoomilakekintiré-du-bas. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Why you playing? I'm a